Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge Les Sims 4. Sur Les Sims 4 plutôt. Qui s'appelle le 100 bébé challenge. Et je me lance avec ce Sims-là. J'avais envie de me lancer différemment. Bon, je suis peut-être un peu partie trop loin, carrément. Parce que voilà. Mais je me dis que ça peut être marrant. Du coup, voilà. Du coup, on va se lancer tranquillement dans l'aventure. Je ferai des épisodes vraiment quand j'ai envie, parce que c'est un challenge vraiment long. Et du coup, bah, c'est parti. Du coup, je pense qu'on va faire gagner du fric. Du fric, oui. On va faire gagner des sous tout de suite. Parce que voilà. Puis voilà. Je me suis installée ici. Je vais voir c'est la maison. Pour l'instant, j'espère que le son du jeu, ça va. Je suis pas très douée encore pour régler le son. Voilà. Non, parce qu'elle est jolie cette petite maison. J'aime bien. J'aime bien les maisons de. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais j'aime bien les maisons de. Du coup, monsieur est peint. D'ailleurs, il s'appelle Marc Muche. On va comme ça. Marc Muche. Voilà. Je ne sais plus les noms de mes personnages à chaque fois. Il est romantique, créatif et proche de sa famille et il veut être un super parent. Je me suis dit qu'on va faire dans le basique là-dedans. Parce que déjà ça. Ah. On va voir ce que ça donne niveau enfant. Du coup, il est en train de peindre. Et on a des voisins qui arrivent. Est-ce qu'il y a un mâle? Oui, un mâle. Ouais, un mâle. Alors, on va inviter les clients, les gens. Ça, tu peux le vendre. Regardez. Oh, oui, il y a plusieurs garçons. Mais je crois que celui-là est marié avec l'une de là. D'ailleurs. Voilà. Du coup, lui, je crois qu'il n'est pas marié. Du coup, autant commencer plus simple. Et je connais un peu toutes les Sims qui existent en jeu, je suis désolée. C'est un jeu que j'ai assez bien pensé, je pense. J'ai fait quelques challenges déjà, mais c'est le premier que je vous propose. Ok. Alors, merci d'être là. On va se concentrer déjà pour faire le premier bébé. Que ce soit plus simple. Enfin, simple. J'ai oublié celle-là. Ok. Demandez comment s'est passée la journée. Ah, ça a marché. Elle a complimenté l'apparence. Ok. Discuter des points. Amour. En gros, le but c'est d'avoir plus d'enfants possible avec le premier. Dès que celui-ci meurt, on doit prendre le dernier qu'il a fait. Enfin, dès qu'il devient vieux, on doit prendre le dernier. Il a fait et voilà, ainsi de suite jusqu'à en avoir 100. Et le challenge se termine quand il en a 100. Et on fait un bébé par papa autre. J'espère que vous avez compris, mais en tout cas, des règles seront dans la description. Il y a plein de trucs comme ça, des challenges sur les Sims qui peuvent être sympas si vous en avez d'autres à me proposer. Mais un gros challenge à la fois parce que voilà. Ah, crotte. Ben, on va attendre un peu. Tiens, tu vas leur faire à manger. Servez une salade. Voilà, trop bien. En fait, je ne les sens pas, cette petite maison quand même. J'en ferai une quand on aura plus d'argent, mais. Un peu en hostile, je pense. Sauf le mur, peut-être. Enfin, je sais pas. On verra. Ah,
Et enfin, il faut compter. Ok, tout va bien. Donc, on va accélérer un petit peu. On accélère un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, il a fait la bouffe. Très bien. Il peut aller faire un petit coup ici. Et si j'en ai, du coup, il peut retourner parler. Ah, monsieur. Contormouche. Je sais pas ce que vous pensez du concept. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu, je pense. Bon, après, je sais pas si c'était une bonne idée, mais. Non, ça m'amuse. Voilà. On va essayer de faire un épisode par bébé, je pense. Ou peut-être des épisodes qu'il n'y en aura pas quand on aura 8 bébés dans la maison. Ce sera l'horreur. Clairement. Du coup, on grandit. On va peut-être pas faire deux fois la même chose. Je pense qu'on va aussi faire. Quand les bébés vont être à la moitié de leur âge, on va les faire grandir. Parce que sinon, c'est vraiment trop galère. Donc voilà, c'est moi qui challenge, c'est moi qui décide. Alors, on va continuer. Est-ce que tu veux bien maintenant? Ça a l'air. Bon, après, le truc est pas si moche que ça. Hein. Moi, je trouve que ça va. Hein. J'ai déjà fait plus moche. Et j'ai déjà vu plus moche. Rien que dans les. Dans les Ugly to Beauty Challenge. Demandez comment s'est passée la journée. Draguer. Tenter un rapprochement. Hein. On va baisser les murs. Hein, parce que c'est pas toujours facile de jouer comme ça. De remercier d'être là. Chuchoter des gouttes. Premier baiser. Ouais. Déjà pas mal. Oh. Et voilà. On se démerde pas trop mal. On va discuter un peu. Brasser les mains. Murmurer suavement. Embrasser. Soutenir les mains. Pour négliger. Alors après, oh ça y est, on peut faire un bébé. Donc, allô. Pendant ce temps, on va regarder les voisins discuter. Bah, ils sont tous partis. Et voilà. Alors, on va faire le test. De grossesse directement. Oh, mais ça va. Ah, je veux pas qu'il dorme du tout. Tout va bien. Ok, du coup, il ira manger après. Prendre une potion. Oh merde, il l'est pas. Bah écoute, bah essaye avant que tu manges. Ah non, attrape-le. Attrape-le, j'ai dit, attrape-le. Voilà. Ah merde, il est parti. Attends, on va l'appeler. Avec qui? Il va faire des choses, cochon. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Essayez de faire un bébé avec lui.
Ma place de bouffe. Yo, ma mouche. Allez. Oh, pardon. Allez, c'est bon. Par contre, on en parle que la cuisine est devenue dégueu en 3 secondes. Oula. Tu iras faire des tests de grossesse quand même. Le temps qu'on l'a à la maison. Mais c'est buggé ça en fait, je pense. Ça me le faisait pas avant. Genre, il est dans le lit. Bah oui, écoute. Ah, ça y est, l'enceinte. Non, mais tu annonces pas. Non, je t'ai dit non. Et toi? Range et dégage de partir. Hop. Désolé, tu veux plus le voir. Tu veux plus le voir parce qu'il t'a bien ça. Voilà. De quoi c'est le but? Oui, je sais. Mais le but, c'est de plus le revoir ensuite. Parce que je sais qu'il peut s'incruster chez moi quand il y aura un bébé. Rangé. Voilà. Et donc, il est enceinte. Bon, du coup, on va attendre patiemment qu'il accouche. Et puis après celui-là, vous pouvez me donner tous les noms que vous voulez en commentaire. Voilà. À la limite du raisonnable, hein, parce que les prénoms qui sont un petit peu particuliers, on leur donnera pas. Du coup, une douche et dodo. Et du coup, je vous retrouve après. A few moments later. Et donc, il va manger maintenant. Hop. Oh, il y avait un bol sale. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il va faire ici après aussi. Ah oui, il n'y a pas de levier dans la cuisine. J'ai bien de remarquer. Du coup. Déjà, on s'est bidé. Il y a le festival. Et on va y aller avec lui. On se retrouve. J'avais dit qu'il devait. Ah, bah il a fait toute la dernière là. Ok. Bon, du coup, on va commencer à se rapprocher avec lui. Hein, qu'est-ce que vous y en pensez? Ce sera peut-être son futur bébé le prochain. Ah, oups, c'était trop direct. Alors, on va prendre une sorcière. Chut, tais-toi. Arrête de lui parler. Non, mais en fait, acheter. On a besoin de sous. Il est embarrassé, je sais. Mais où c'est qu'on achète le. De choix? Non. Ah, c'est là. Acheter le t-shirt du festival. Acheter et porter. Acheter. Bah, acheter et porter, écoute. C'est moi qui. Ah non. J'ai écrit que j'ai évité en mode pyjama. J'ai cru qu'il avait été en mode pyjama. Alors. Voilà. Il s'est changé avant la petite souris. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, si ma souris pouvait arrêter de bugger. Merci. Voilà, on va péter. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. On va se présenter à tout le monde un peu. Bon, arrête de. Merci.
Alors, hop. Tumbuck Rabau. Obelus Tebow. Veneer. Yibzy. Il s'est fait baffer, il a rigolé ou c'est moi? alors. Si tu veux, toi. Ah, tu veux. Pourquoi tu l'as tué? Bah. Il est aussi bon. Il a juste un physique assez particulier. Et il lance ça. Mais il est pas si moche. On était en train de parler à lui. Amical. Non. Drôle. Malice. Ok. Machin. Peut-être ce soir. Ça ira pas plus cher. Ah ouais, il a l'air vachement de se croire. Il a pour l'air convaincu. Ah oui, il a fait ça pour une blague quand même. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ok, ok. Ah, il l'a mis en colère. Bon, écoute, on va la rentrer parce que là, bof, pas mon festival préféré. On va refaire pipi, hein, parce que voilà, il est dans ça. Du coup, il fait pipi toutes les 3 secondes. Ouais, on peut faire une toile? Ah oui, attends, on va faire une toile après. Autant le faire, la toile. Oula, mon jeu a bugué. C'est vrai. Il y a des petits blocs comme ça. Ok, on va le rentrer. Enfin, on va le faire manger d'abord. Je peux commander un truc. Commander brochette. Voilà. Non, mais il y en a qui ont fait mieux que moi. Je peux le faire. Ça, je peux le dessiner. Ah, c'est les farceurs qui ont gagné. Ouais. Ouf. J'espère que le son n'est pas trop fort. Mais là, j'ai un doute. Hop. Non, mais en fait, c'est de manger. Michel et les gens là. Voilà, on va rentrer alors. Il va manger, prendre une douche et puis dormir. Hop. Ah, bah, il a pris plein de viande, il aime pas ça. Ok. Pourquoi il mange ça? On ne sait pas trop, mais. Bah du coup, pipi, douche, dodo. Voilà. Et moi je vous retrouve dès qu'il a fini tout son master. On est parti pour le deuxième trimestre, on est bientôt au troisième. Et du coup il est parti manger. Il ne fait jamais en fait. Du coup, il fera une toile quand il ira mieux. Moi je pense qu'on va préparer la petite chambre, voilà. On est bien au niveau argent, tout ça. Puis on va vendre ça de toute façon, voilà.
Alors, le bandeau, on l'aura après, donc de toute façon, ça sert à rien d'en acheter un. On va mettre ça. Ouais, voire deux même. Hop, on va préparer l'œil du bonbon, même si pour l'instant, il n'y aura pas encore de bonbon. Mais je pense que, on ne sait jamais, ça peut arriver vite. Une petite bibliothèque. Bon, après, la chambre sera beaucoup plus grande parce qu'il y aura une chambre bambin, une chambre bébé et une chambre adolescent et enfant. Parce que comme ça, c'est pratique. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre une papuche, voilà, la papuche. Et une autre, on va peut-être faire comme ça. Donc. Hop. Attendez, hop. Bon, on va faire un bébé mouton direct. Oups, il y a un B. Flex on. Oups, voilà. Et hop, on met ça là. Et ça ici, voilà. Le landau, on mettra quelque part par là. Là. Ça, à la limite, on peut le. Bon, on va le mettre là. Voilà. Et du coup, le landau ici. Entre les deux, on va mettre ça. Après, on en rachètera des choses pour les bambins. Enfin, bah. Mais pour l'instant, ce n'est que préparation. Il y aura même une salle de jeu, si y en a assez tout. Et c'est tout. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bah, un tapis, tiens. Les tapis, c'est ma vie. Voilà. Pardon. J'aime bien mettre des tapis dans les Sims. Quelle couleur? Bleu, c'est bien. Voilà. Voilà. Une jolie tête sur moi. Voilà. Bah, du coup, c'est fait. On est passé un truc. Du coup, il veut devenir parrain maintenant. Il faut qu'il atteigne le niveau 4 en éducation. Discipline et son devoir. 5 fois. Et puis c'est déjà pas mal. Un jour, tu vas faire pipi. Et un jour, enfin, t'as pas fini le jeu. Ok. Désolé pour le chat cagnolet. Bah bon. Je pense que ça va devenir une habitude. Parce qu'il miaule beaucoup. Alors, nettoyer. Puis, on a des choses là-dedans. On va les vendre, peut-être ça les souffle. Hop, un peu de sous. Voilà. Tu peux aller peindre peut-être. Non, t'es trop mal à l'aise. Ok, ah mais lui, on va essayer de le changer. On va changer lui. Sinon, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on va mettre comme lui? Moi, j'aime bien celui-là. On va mettre en blanc. On va mettre un truc blanc. Moi, comme ça. Du coup, ça, on va changer de couleur. Bon, remarque. Voilà. Et puis, non, tu peux toujours pas aller prendre. Ok. Alors, ça va pas tarder, on pourra les peindre. Niveau besoin, on est bien. Qu'est-ce que t'as envie d'aller faire? Alors là, c'est faire quelque chose de romantique. Devenir inspiré et discuter avec quelqu'un. Pouf, tu vas peindre. Tu vas devenir inspiré, voilà. En fait, tu peux faire ça pour qu'il devienne. Voilà, il va devenir inspiré. Ah, t'as encore des nausées? Troisième trimestre dans 5 heures, ok.
Ok. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais ça a l'air bien inspiré. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va acheter? Il va acheter un jouet. Bah écoute, achète un jouet. Tiens, c'est qu'elle la remplace. Voilà. Maintenant, tu veux quoi? Ah non, t'auras pas de cuisine. Ça. Discuter au musée. Discuter des voleurs. Ok. Hop. Hop, hop. Jouer d'un instrument. Peindre sur le chevalet. Mais, hein, t'as fini. Bon, bah, vas-y, peins. Chercher des informations sur les vampires. Ça, on s'en fout. Contempler une œuvre d'art au musée. Bah, on va la viser, alors. Mais non, mais les instruments, ça coûte cher. Laisser un mot pour quelqu'un. On n'a pas de tableau familial, donc. Ça, tu peux faire préparer un repas. Servir le dîner. Hop. Bah, tu vas avoir faim, même. Donc ça tombe bien. On va faire un pipi. Ah bah, il est fatigué, il est tout en même temps là. Ça va, elle est compliquée. Alors, tiens. Faire pipi. Ranger. Bon, ça. Voilà. Et je vais en accélérer plus vite. Voilà. Et du coup, oui, bah, il ira dormir. Du coup, je vous laisse. Bon, tu nettoies ça demain. Je vous laisse pour cette la nuit là. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, oh, mais il a encore faim. Est-ce qu'il y a des chiottes? Ouais. Il y a un piano? Ah oui. Ah oui, il y a des œuvres d'art partout. Alors, contempler une œuvre d'art. Bah tiens, tu vas contempler France en bas. Mais il est toujours faim. Hein, par contre, là, voilà. Non, il veut pas lui. Acheter un chevalet, mais t'en as déjà un. Non, ça coûte cher les instruments de musique. Et tu pourras préparer un repas. Voilà. Allez, on discute au dessus qu'on discute. Alors, on essaie? Non, définitivement. Lui, ça va être plus compliqué. On attendra d'être un petit peu amis avec. Mais bon, est-ce qu'on peut. Non, on peut pas manger ici. J'ai pas pensé à ce qu'il fallait qu'il mange. Ouais, en soi, il avait déjà mangé en fait. Bon, je vais le faire rentrer parce qu'il a faim. Du coup, tu vas manger. Alors, qu'est-ce que tu veux? On a fait quelqu'un. Bon, ça peut attendre. Tu fais une toile excellente. Bon, on va continuer de peindre. Il paraît que quelqu'un va bientôt accoucher, de toute façon. Il est déjà fatigué à ce temps-là. Mais on va faire une sieste.
Hop. A few moments later. Non mais il a rien à coucher sur place, pas de médecin. Voilà. Voilà. Bon, bah faut attendre. Ah ça y est. Oh, le bébé. Alors, bah heureusement qu'elle est médecin. Elle est interne. Hein. Ah bah elle a l'air plus douée qu'elle en avait. Oula. Ah, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. D'accord. Alors, c'est un petit garçon que nous allons appeler Antoine. Parce que j'aime bien. Et c'est qu'un petit garçon. Qui est déjà là. Ouais, c'est pas grave. Antoine est une garderie. Ok. Et bah, toi, tu rentres à la maison. Oh, du coup, il s'est presque mis à la bonne place. Oups. Voilà le truc. Bébé qui commence à pleurer. À peine arrivé. Qu'il est déjà chiant. Notre petit Antoine Muche. Donc c'est le premier bébé d'une très longue aventure. Et donc. Ah. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse ici. Je vous dis bye, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des prénoms dans les commentaires. Et puis, à me proposer des papas avec le hashtag papa pour nous bêtes ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, ou pour nous bêtes tout simplement. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!